Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente le préampli à trois canaux de la part de Two Notes Audio Engineering. Le préampli s'appelle Revolt. Il a trois canaux, donc un canal qui est inspiré des amplis Fenderien, deuxième canal qui est inspiré des amplis Marshallien. Et le troisième canal, c'est en sorte des Soldano-ish, donc inspiré par les amplis des Mike Soldano. En plus, nous avons le boost qu'on peut enclencher pour chaque canal. On a la possibilité d'activer une sorte de simulation de cabinet, simulation analogique. Mais cette préampli-là est le plus destiné à travailler avec les solutions comme CAB-M ou Wall of Sound, etc. Donc, en sorte d'appareil ou de logiciel qui va charger les impulses. Et en plus, ce qui est très intéressant avec cette préampli-là aussi, c'est qu'il est possible de lui piloter par MIDI. Et on peut aussi avoir une sorte de connexion 4 câbles avec un vrai ampli. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quand on utilise un ampli genre monocanal, donc on a juste un seul canal sur l'ampli, et on veut utiliser cette canal. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas brancher la Revolt directement dans le retour d'effect loop de votre ampli, donc de ne pas aller directement vers l'étage de puissance de votre ampli, mais de lui connecter à une sorte de 4 câbles. Et là, on peut utiliser les 3 canaux de Revolt, plus quand il est désactivé, il va utiliser le préampli de votre ampli. Donc, si vous avez un ampli type, je ne sais pas, RD1, imaginons de Victory, qui est un seul canal qui est vraiment très cool, mais il est juste un seul, donc là, on peut utiliser Revolt en 4 câbles avec cet ampli-là et avoir 4 canaux en gros au final, plus le boost, bien sûr. Pour moi, il y a plusieurs scénarios d'utilisation de cette préampli. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation type Home Studio, donc c'est-à-dire que je suis connecté à Revolt et après ça va directement dans mon interface audio. Et là, j'utilise Wall of Sound pour toutes les simulations de baffles et en fait, des amplis de puissance. Quoique pour cet exemple-là, je ne vais pas utiliser la simulation d'amplis de puissance. Je vais utiliser uniquement la Revolt et après Wall of Sound juste pour simulation de la baffle et des micros. D'abord, je vous propose d'écouter comment ça sonne dans le mix. Et après, on va voir les pistes de guitare séparées. Et tout à la fin de la vidéo, je vais vous montrer tous les réglages pour chaque canal, pour chaque son que je vais utiliser. Donc, je vais les montrer à part, donc son par son. Pour la démo, je vais utiliser trois différentes guitares PRS. Donc, celui-là, donc, qui est McCarty 594, ma Custom 24 et Modern Eagle SC250. Let's go! We'll be right back.
Voilà, vous avez entendu comment ça sonne dans le mix. Maintenant, je vous propose d'écouter les pistes de guitare séparées. Let's go! Voilà, vous avez entendu les pistes de guitare séparées. Maintenant, je veux voir un petit peu les réglages de Wall of Sound et de Revolt pour chaque son que j'ai utilisé. Donc, tout d'abord, dans le Wall of Sound, j'utilise la baffle Mesa Boogie 2x12 horizontale baffle rectifier avec deux micros presque au centre. Donc, c'est SM7 de chez Shure et... un ribbon de chez Shure, c'est KSM-33. Donc voilà, tous les deux, ils sont presque en plein milieu de la baffle. Donc voilà. Maintenant, pour le son clean, j'utilise ces réglages-là. Donc je suis à peu près à 11 heures sur le gain et sur le volume. Autour des 10h30 pour les basses et à 15h pour les aigus. Moi, je voulais le son un petit peu plus aiguillé, avec un peu cette chimérie côté aigu de l'ampli Fender. Ici, les micros de cette guitare-là, c'est les micros assez vintage, donc ils sont underground, donc avec la sortie assez faible, et ça donne le son... presque single coil sur la première canal. Sur le deuxième canal, donc ici on a les EQ qui sont partagés. Donc pour le deuxième son, j'ai utilisé les graves à 11, les médiums et les aigus à midi. Bon, j'ai le gain qui est autour de 10 heures et le volume qui est autour de 11 heures. Là, c'est juste pour avoir un certain niveau plus ou moins équilibré entre les trois canaux, et je suis presque à un même niveau de volume, peut-être un tout petit peu moins sur le troisième canal. Donc sur cette deuxième son marshallien, j'ai utilisé aussi le boost. Le boost, je l'ai utilisé sur la deuxième partie. Le boost, ça s'active avec le deuxième appui sur le bouton d'un canal. Donc, si vous cliquez deuxième fois, donc on a la lampe qui s'allume un petit peu plus rouge. Et donc, du coup, c'est le boost qui est enclenché. Et le niveau de boost, il est juste là.
Voilà. Et c'est le boost qu'on peut utiliser sur trois canaux. Donc, voilà. Par contre, les réglages, ils sont bien sûr uniques pour les trois canaux. Parfois, c'est un peu too much, par exemple, pour le premier canal ou pas assez pour le deuxième. Donc voilà, donc il faut bien sûr essayer un petit peu rééquilibrer les sons. Mais ça, je vais faire une vidéo à part. On verra comment faire ces choses-là. Et j'ai une autre utilisation pour cette préampli qui, je pense, que le plus intéressant en termes de ses capacités. Mais ça, on en parle à la fin. Donc voilà. Pour le troisième son, j'ai utilisé la troisième canal. Donc ça, le son, c'est le son high gain. Et ici, la seule différence, c'est que j'ai baissé les médiums parce que je veux le son, je voulais un son un petit peu au scooped, un petit peu au métal, quoi. Donc, du coup, j'ai baissé les médiums autour de 9h30 à peu près. Au niveau des gains, je suis à midi et j'ai utilisé pareil, le boost pour cette canal-là. Donc comme ça, j'ai un son un petit peu plus précise. Surtout que j'ai utilisé la guitare qui accordait 2 tons plus bas. Donc c'est quand même assez. Il y a beaucoup, beaucoup de graves. Donc du coup, c'est le boost qui booste un petit peu plus les médiums et les aigus. Il est vraiment très utile pour avoir un son un petit peu plus précis en termes de transient, en termes de séparation des notes. La même sonde que j'ai utilisée pour les deux leads, donc I pour le lead au tout début, I pour le lead sur la troisième partie, c'est absolument les mêmes réglages. La seule chose, c'est que j'ai ajouté un post, un sort de delay pour le son lead et un sort de chorus et delay pour les sons clean au tout début, pour faire un petit peu joli. Donc voilà, et sur l'ensemble des sons de préampli, j'utilise un tout petit peu de reverb, mais ça je l'utilise quasiment sur l'ensemble des pistes que j'enregistre. C'est juste pour donner un tout petit peu de sensation d'un vrai baffle qui se retrouve dans la vraie pièce. Parce que si on ne rajoute pas de reverb, ça sonne peut-être à poil trop sec et trop devant. Donc pour mettre ça quelque part dans l'ambiance, on a besoin d'un petit peu de reverb. Ça, on utilise le reverb directement dans le Wall of Sound et ça marche parfaitement bien. Donc c'est bien suffisant pour avoir justement cette sensation d'espace. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est pas le reverb pour faire les effets. On va dire comme ça, c'est vraiment le reverb pour faire l'espace et pour placer cette baffle et micro virtuel dans l'espace et d'avoir une sensation du vrai espace derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, je vais faire une autre vidéo avec cette préamp parce que moi, je trouve que l'un des meilleurs utilisations pour cette préamp-là, c'est la combinaison de cette préampli avec les multi-effets, genre fractal, Edrush, Helix, etc. Donc chacun a ses propres préférences. Mais moi je trouve que si on utilise ça à la place d'un bloc qui fait la simulation de l'ampli, ça va être vraiment génial parce qu'après on utilise la simulation dans le cabinet, on charge les ampoules qu'on veut ou on utilise le KBM des Tonotes. Et là on a la solution complète qu'on peut utiliser pour le live, pour le studio, pour tout ce que vous voulez, qui est très mobile. Et l'avantage, le gros avantage de cette préampli là, c'est qu'on a les trois canons qu'on peut piloter par MIDI. Ça, c'est vraiment le gros plus parce que là, imaginons, je fais une petite date ou un truc comme ça. J'ai quoi, un Edrush MX5 qui est vraiment pas mal pour faire les changements vite, etc. Qui a une sorte d'interface assez cool, donc j'aime beaucoup. Mais la simulation des amplis, il est là, il est bon.
Mais quand on a la possibilité d'utiliser quelque chose qui est vrai, c'est beaucoup plus intéressant. Donc du coup, là, j'utilise un multi-effet pour tous mes patchs, pour tous mes sons, etc. Et quand j'appuie sur un bouton de mon multi-effet, non seulement ça change le patch sur multi-effet, mais ça change aussi tous les réglages sur mon préampli. Et là, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Donc, je vais faire la vidéo là-dessus. Je vais l'utiliser avec ma Fractal AxeFX 3. Et on va voir ce qu'on peut faire avec les différents effets du Fractal, plus la révolte, et quels sont les avantages qu'on peut tirer de là. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez les petites clochettes, comme ça, vous allez être informés pour la sortie de la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.